Alors voilà, on est dimanche 28 novembre 2020. Donc voilà, on va continuer donc avec le Marmental, les cours sur la Emouna le Bitachon. Ok. Alors, on voit qu'il y a marqué sur Avraham Avinu qu'il était Echad. Aechad, mais Avot Arishon, d'accord, qui a passé les 10 Nissionotes. C'est lui qui va nous enseigner en fait de quelle manière on doit passer les choses que Kadosh Baruch Hu nous envoie pour apprendre à l'Itmoded, pour apprendre à grandir. Et en fait, pourquoi c'est décrit justement les Nissionotes d'Avraham Avinu? Pour nous apprendre que de quelle manière en fait il les a passées, malgré qu'il n'avait aucun kélim, aucun outil. Alors que nous, quand même, au Hachem, aujourd'hui, on a des livres, on a des cours, on a Internet. On a les moyens, en fait, de s'en sortir. Chose qu'Avraham Avinu, lui, il n'avait pas du tout les moyens de s'en sortir. Il a dû faire une recherche personnelle. Maintenant, malgré qu'on ait tous les outils, parce qu'il y a des fois, voilà, on peut apprendre pendant un semestre entier sur Emouna, le Bitachon. Après, c'est comment on va faire passer ça, Minakoach à la poêle, c'est-à-dire de vraiment essayer de mettre ça en application. Et on voit que, par exemple, Avraham Avinu, lui, c'était sa force, c'est qu'il a fait une vraie recherche d'Akadash Bokhu, de comment, de quelle manière Akadash Bokhu existait, de quelle manière il témoignait le monde. Je ne sais pas si vous le savez, parce que j'en parlais avec mes nièces ce Shabbat, et apparemment, il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais le matin, après la Tfila, après le Aleinu, le Shabbat, on doit dire le Réanimamina Mebuna Shelema. On se rappelle d'abord des Kakadash Baruch Hu Manigolamo, Majgiachet Venogu, Venonodagu, ça c'est les 13 Ikarim du Rambam, et qu'après il y a les 10 Zichronot, les 10 souvenirs qu'on doit se rappeler, qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, etc. Et en fait, c'est pas un plus, c'est obligatoire à marquer Chayav Adam Lomor, Kolium, Eser Zechosh, Aman, Yetziat Mitzrayim, etc. Pourquoi? Parce qu'en lisant ça, en fait, ça nous renforce dans la Emouna et le Bitachon. Sur le fait de lire tous ces souvenirs-là et de se rappeler qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, ça nous renforce en fait dans notre Emouna et Bitachon. Maintenant, on voit que, on s'est très bien marqué dans Masechet Shabbat, Anachnu Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim, d'accord, Ve'elanu Almi Lishan et Lavinu Shevashem, c'est-à-dire qu'on est Ma'aminim ou Bnei Ma'aminim. C'est-à-dire qu'un juif, quand il naît, parfois il le sait, parfois il le sait pas. Alors ça veut dire quoi, il le sait pas? Il y a des fois des juifs qui naissent dans des familles où ils savent, mais cocher qu'ils sont juifs. Ils savent même pas qu'ils sont juifs, et quand ils découvrent qu'ils sont juifs, la notion de juif, ils ne savent pas encore ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'elle représente. Et en vrai, anachnou ma'aminim, c'est-à-dire que dans notre ADN, un juif quand il naît, il a l'émouna en lui. Et c'est ça qui nous permet en fait de passer ce monde-là qui est comme un prosdor. Anachnou bnei ma'aminim, et on est fils de ma'aminim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos ancêtres, ils nous ont inculqué la Emouna et le Bitachon, et ils nous ont tracé la voie pour savoir, nous, de quelle manière on va pouvoir avancer dans la vie et pouvoir justement passer tout ce qu'on passe dans notre vie.